Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. En fait, nous venons parler un update de Kim Jong-un qui était fait un pile temps absent sur scène. Et jusqu'à présent, c'est des raisons inconnues. En pile, il a parlé comme quoi qu'il est mort. Ça a été dit dans le coma. Ces derniers jours, je pense que toute parole ça a boit l'huile puisque Kim Jong-un est présent, il a fait inspection, il est un peu partout. Entre-temps, il faut dire que c'est Kim Jong-un, personne ne parle. Les questions qu'il a posées, est-ce que ta floche c'est à. Nous pouvons connaître. En tout cas, ça nous vient parler là. Nous vient parler que c'est des images satellites qui rejoignent. Ça passe vendredi là. Qui montre qu'il y a des activités que Kim Jong-un a préparées là. Et que monsieur Dabral, eh bien, lancé ça d'arrêter des missiles submarines. Balistiques. Missiles balistiques, oui, submarines, que monsieur Pral lancé. C'est Centre Stratégique International Stédu. Et qui a étudié bah, ça, qui dit qu'il y a des images qui sont publiées sur le website. Yo. Qui montre que tout bon vrai, Kim Jong-un pral a préparé là pour la retourner lancer missile encore, tester des missiles. Donc, Kim Jong-un qui pral, justement, et montre le monde, les États-Unis et d'autres alliés, que il est toujours présent et qu'il gagne capacité pour lui frapper, pour faire des frappes nucléaires sur tout le monde, justement, qu'il identifie comme ennemi. Maintenant, nous devons comprendre, ça veut dire. Nous, je dis à nous en septembre, et nous pensons que le timing, M. Bral fait bah, ça, ou bah, un message clair, pour rappeler tout le monde que Donald Trump fait presque tout, et 4 ans là, a fait une image passée, comme quoi que t'es qu'à un bagage qui sortit, négociation à l'évini. Maintenant, le fait que la préparé pour la lancer missile dans la période ça, le timing là, vraiment paraît laid. C'est-à-dire, au terme, à la fin du mandat de Trump, il a justement rappelé que tout le temps ça a été fait, pas grand-chose de sérieux, et qu'il a retourné dans le même bagage, et que North Korea toujours été même menace là pour le monde. Donc, Donald Trump qui a besoin, qui a cherché une réélection. Donc, test ça, je dis qu'il va le faire là, pral justement souligner, eh bien, faiblesse diplomatique, monsieur, effort international que Dieu l'a fait et que pas grand quel progrès, malgré, et on dit que Donald Trump, pour faire showtime, faire un bagage qui pas jamais fait, c'est que un président américain rencontré avec le leader de Corée du Nord. En d'autres termes, un bagage qui fait un marketing pour tous les deux. Ni pour Donald Trump, pour le capable de dire, bon, c'est le premier président qui représente, qui rentre à Kim Jong-un. Ni pour Kim Jong-un tout, son façon pour le bail, on l'a qu'à un progrès, qu'on va qu'à sortir. Mais pas grand, justement, qui sortit, pas grand, qui sortit. Donc, vous comprendre que, effectivement, ça qui pral fait là, justement, li pral gagne un impact sur perception de Donald Trump, cap clé on est que, li fait des accomplissements au niveau international. Toujours sous Kim Jong-un, nouvelle de rapporter, monsieur, levé campé, il y a un peu partout. Et monsieur tap, normalement, fait ça d'arrêter les inspections pour le qui j'en travaille, li a marché. Ok, il t'a parlé avec officiel, li t'a visité des zones qui sont dommagées. Eh bien, vous va comprendre, dimanche qui s'est passé là, il a montré photo, monsieur. Côté monsieur tap visité et zone sacrée, les typhons. Et quand monsieur était dans la visite là, il était tout profité, révoqué top officiel. Il révoqué top officiel qui est dans la zone là. Parce que là, nous parlons de une sorte de désastre naturel. Qu'elle pensait que n'est pas la réponse appropriée. Ok? Et donc, il était venu par monsieur un briefing sur le désastre naturel qui était passé dans la zone ça. Qui était détruit près de 1000 cailles inondé plusieurs buildings publics et ça passé la semaine dernière là bien entendu il y a un gros tempête qui t'a frappé yo. Donc les monsieur a fait visite donc vous connaissez monsieur j'en ai qui vraiment d'astrique monsieur justement profiter justement révoquer tout le monde ça yo. Ok et d'autres points qui concernent Kim Jong-un, et ils ont parlé que monsieur qui t'a passé l'ordre
pour yota justement gun down. Ça t'a dit pour yota et shooter tout le monde, tirer tout le monde qui pas respecté quarantaine qui gagne Melus, qui pas respecté quarantaine qui gagne par rapport à coronavirus là. Donc logique monsieur, c'est que t'allez bien, c'est que tout le monde qui pas respecté coronavirus là, c'est que c'est tirer monsieur Mandebranik, tirer au niveau monde ou pas respecté. Son façon pour dire que monsieur pas jouer dans l'histoire coronavirus ça yo. Donc il passe l'ordre pour tirer normalement tout le monde qui justement pas respecté principio. Donc c'est comme ça monsieur Abjé là. Donc nous voyons que Kim Jong-un qui réveillé et Kim Jong-un qui justement commencé à agir avec la toute avec toute rigueur dans causer ça. Donc voilà, nous t'es venu justement pour te update ça pour vous par rapport avec Sandarele, un réveil de Kim Jong-un qui présentement eh bien et yo patwel yo t'a demandé pour lui monsieur réveillé et monsieur annoncé très bientôt nous allons commencer temps de test nucléaire et bon la caille partout et moun ki yo placé ou commencer à senti répercussion justement travail monsieur et monsieur qui bat là et pour le moment présent pigo suspense en rete tout moun a posé tête question côté sœur Kim Jong-un en parlant de Kim Jong-un. Quand elle passe, c'est personne qui ne parle dans le moment. Et nous connaissons, lorsque Kim Jong-un bat là, c'est presque lui ou qui t'a dirigé. Donc, l'avenir en dira le reste pour qu'on ait, est-ce que tout bon vrai, monsieur, ta floche, c'est. Donc, nous pas vraiment qu'on nous réponse là.